Je vais commencer par courtoisie, parce que je suis déjà tombé sous le charme, même si elle vient de disparaître de l'écran. Voilà. Donc, la Grèce... C'est bon, je peux y aller, oui. La première question. Donc, la Grèce compte 200 îles habitées, je crois. Entre parenthèses, j'espère que pour mes confrères grecs, que toutes ne revendiquent pas leur autonomie, parce que je suis bien placé pour savoir qu'ici, avec une, on s'en sort assez difficilement. Alors, je voulais savoir comment Athènes faisait la jonction entre l'Europe et ses îles, au niveau, par exemple, de la répartition des fonds. Et puis, il y a des enjeux, je dirais, communs avec la Corse, citer les transports, l'écologie ou l'innovation. Et je voulais savoir si la Grèce n'était pas tutelle depuis presque 5 ans. La tutelle budgétaire a commencé en 2010, effectivement, depuis presque 5 ans, et c'est véritablement l'enjeu actuellement. Alors, les deux discours d'introduction étaient pour cela très pertinents, parce qu'on parlait justement de dialogue avec l'Europe, de respect des particularités de chacun. La Grèce, il y a certes plus de 200 îles habitées, mais c'est 6000 îles au total, donc c'est vraiment énormément d'îles, et c'est surtout des spécificités sur chaque île. Il y a aussi le côté maritime, comme certainement il va y avoir en Corse. Et le problème, c'est que Bruxelles ne veut pas discuter. Bruxelles, j'entends la Commission européenne, et la Troïka, donc la Commission européenne, la Banque centrale européenne et le Fonds monétaire international, depuis, ils ont mis la Grèce sous tutelle. Eh bien, ils ne sont pas prêts à discuter. Ils ne veulent pas discuter, ils veulent surtout imposer des choses. Ils ne veulent pas comprendre la particularité, la spécificité de ce qu'est la Grèce, de sa géographie, de sa géopolitique et de sa vie au quotidien. Tout ce qu'ils pensent, c'est imposer des mesures. Sauf qu'on ne peut pas imposer les mêmes mesures de rigueur ou les mesures d'austérité à Athènes que dans les îles. Et forcément, bien, l'effet est un effet terrible, parce que ce qu'on voit actuellement dans les îles, même les îles les plus populaires, des Cyclades qui sont très touristiques, c'est qu'il y a un véritable problème, notamment dans les hôpitaux, où les médecins ont déserté ces îles-là, parce que c'est trop difficile de vivre dans ces îles maintenant. Donc il y a des problèmes, les femmes ne peuvent plus forcément accoucher dans les îles, il n'y a plus de pédiatres, voilà, il y a un véritable besoin qui est de plus en plus alarmant dans les hôpitaux des îles. Alors, c'est valable aussi pour les écoles, c'est valable un peu pour toute la structure. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont hâtés à faire des mesures de rigueur, à infliger à la Grèce des plans d'austérité consécutifs, sans voir véritablement quel plan il fallait voir pour être plutôt constructif. Donc ça veut dire réduction des fonctionnaires un peu partout, ça veut dire coupe des salaires et des retraites. Donc finalement, eh bien, à part revenir aux produits du terroir et pouvoir les exploiter, il n'y a pas grand-chose à l'heure actuelle. Et donc, 4 ans après, ils commencent à se rendre compte que c'est une hécatombe et que ça n'a servi à rien. Donc, le dialogue, oui, mais apparemment, le dialogue ne va que dans un sens, et il va dans un sens venant de la Commission européenne vers la Grèce. Et c'est très triste ce qu'on peut voir à l'heure actuelle. Oui, je ne veux pas me faire non plus l'avocat du diable, mais j'ai regardé votre bouquin attentivement, et vous parlez à un moment d'une corruption qui est institutionnalisée. Je crois que vous parliez en 2009 de 800 millions de pots de vin. En Corse aussi, on a un peu la même problématique, puisqu'on met souvent en avant ou la violence ou la culture clientéliste. Je voulais savoir comment était-il possible de rétablir de saines relations avec le pouvoir européen si on ne donne pas des signes de modernité. Je suis tout à fait d'accord, mais le problème, c'est qu'il y a eu un problème de politique depuis 30 ans. Quand la Grèce est entrée dans l'Union européenne en 1980, c'était pas très très concret finalement pour eux, l'Union européenne. À l'époque, c'était la communauté économique européenne. On ne comprenait pas vraiment. Tout ce qu'on voyait, c'était des fonds qui arrivaient. Et ça venait de la tête, finalement, de la Grèce, qui était Premier ministre de l'époque, qui s'appelait Andreas Papandreou, donc le père de Georges Papandreou, l'avant-dernier Premier ministre grec. Donc c'était des dynasties politiques aussi. Et lui, Andreas Papandreou, avait ce qu'on appelle le don de Démosthène. Vous savez, Démosthène, celui qui mettait des pierres dans la bouche pour apprendre à parler. Et donc, il savait convaincre ses partenaires européens. À l'époque, il n'y en avait que 6, la communauté économique européenne n'était pas très très grande.
Et ils avaient les convaincre pour pouvoir avoir énormément d'argent. Donc dès qu'ils revenaient à Anglesse, tout le monde attendait sur le tarmac de l'aéroport, c'était retransmis sur les peu de chaînes de télévision qu'il y avait à l'époque, on voyait revenir avec des valises d'argent. Et ça, c'était véritablement ce que voulait dire l'Europe pour les Grecs. Et on leur disait, après, ça se diffusait dans chaque petit village, dans chaque petite ville, on leur disait, utilisez ces fonds, et puis vous direz que, pas de problème, vous faites l'élevage de colibris, siffleurs ou autre. Sauf qu'il n'y en a pas en Grèce, sauf qu'effectivement, ils ont dû un peu mentir, il faut dire ce qu'il y a. Donc il y a eu un abus de ce côté-là. Il y a eu une corruption qui est terrible, mais qui a été généralisée, parce qu'effectivement, dès la tête de l'État, vous ne vous inquiétez pas, vous prenez tous des fonds européens, ça comblera vos salaires qui ne sont pas forcément, et c'est vrai qu'ils ne sont pas très conséquents, donc de facto, eh bien, ce sera mieux pour vous. Et c'est comme ça que ça s'est passé, mais sauf que ça a duré 30 ans. Et donc, quand ça dure 30 ans et que l'Union européenne ne s'en rend pas vraiment compte, parce qu'il y a des contrôles faits par les commissaires européens, notamment les commissaires européens en compte, donc quand ils ne viennent pas contrôler comment sont utilisés les fonds européens, qui ne voient pas... Je vous ai donné un exemple qui est encore plus simple. Ne prenez pas des îles, ou alors ça peut vraiment se voir dans une île, mais prenez la route qui relie Athènes à Thessalonique. Ça fait 30 ans qu'elle n'est pas terminée. Et les fonds européens ont été largement consommés de ce côté-là. Je veux dire, il y a bien un commissaire européen qui aurait pu faire la route d'Athènes à Thessalonique. Alors, c'est qu'au bout d'un moment, il y a eu une corruption, certes, mais généralisée. Donc, il y a eu un manque de contrôle. Et donc, on peut dire qu'il y a eu... les deux ont été fautifs, autant la Grèce que l'Union européenne, qui voulait plutôt aller fermer les yeux, parce que la Grèce, c'est pas grand-chose, c'est que 2% du PIB européen, 0,2% du PIB mondial. Sauf qu'en 2009, ils se sont dit, bon, c'est bien, mais on va peut-être tester un petit peu ce qui se passe en Grèce, on va peut-être tester surtout l'Europe. Qu'est-ce qui se passera s'il y a une crise en Europe? Alors on va prendre le plus petit délai, parce que la Grèce, finalement, il n'y a rien, il n'y a pas d'industrie, la Grèce ne produit rien, même l'huile d'olive est en train de commencer d'être un produit d'appellation d'origine contrôlée. Donc ils ont testé une crise, à commencer par la Grèce, pour voir si l'Europe pouvait réagir. Sauf que depuis, la Grèce elle a du mal à s'en sortir. Voilà où on en est, à l'enfant choyé jusqu'à présent par l'Union européenne. Maintenant, je vais m'adresser à Henri Malos. Tout à l'heure, M. Romagne faisait référence aux élections. Alors, il y a quand même c'est une curiosité. L'organisation des élections, en tout cas ici, dans notre pays, elles sont régionales. Et lorsque les députés se fondent dans les groupes, on voit que la politique, que les territoires, du coup, qui ont sorti leurs députés, sont confrontés à des politiques et des décisions qui sont finalement assez uniformisées. Alors, à une époque, je me souviens, il y avait une conférence des îles de la Méditerranée, je ne sais même pas si elle existe encore, mais elle était très présente, peut-être parce qu'il y avait l'ambassade à sa tête, c'est possible. Je voulais savoir si au niveau de la gestion des îles par l'Europe, il y a une régression ou si on progresse. Je pense qu'il n'y a ni régression ni progression. Il y a l'indifférence actuelle des institutions européennes au sens bureaucratique, au sens des gouvernements, qui aujourd'hui voient uniquement le macro, les problèmes macroéconomiques avec des visions assez idéologiques. Et donc finalement, les problèmes des territoires, des îles, des régions de montagne, bon. On leur donne quelques financements parce qu'il faut bien avoir la paix sociale ou la paix politique, il faut bien faire plaisir. Et quand on a des parlementaires européens qui représentent telle ou telle région, ils vont se battre pour avoir une petite ligne de crédit. Mais globalement, le grand problème aujourd'hui des institutions européennes, comme l'a très bien dit d'ailleurs Alex Sage, vraiment beaucoup apprécié son intervention, le grand problème aujourd'hui, c'est qu'il y a une vision idéologique. Comme quoi le marché peut tout faire. Il y a une vision de globalisation et qui oublie que la réalité de l'Europe, ça vient des territoires. Et moi, j'ai vraiment senti ce basculement, je dirais, dans les années 90. On a cessé de faire des politiques communes de la pêche, bien
cher à notre ami Gérard Robitte, mais la politique commune de l'agriculture aussi. Et on a vu tout sous l'angle globalisation, en amenant le dumping social avec les directives de protection des travailleurs, en amenant le dumping fiscal. On voit chaque pays devient, je dirais, le paradis fiscal de son voisin, avec des financements, bien sûr, sur les infrastructures, mais qui n'ont fait en quelque sorte qu'aggraver la dette, et avec surtout, depuis 15 ans, moi, une chose qui m'alarme énormément, c'est le fossé qui grandit entre le nord et le sud de l'Europe. Si vous regardez toutes les statistiques, au-delà des îles et des monts, vous verrez que, moi j'étais à Chypre donc, la semaine dernière, de Chypre jusqu'au Portugal, en passant par la Corse, des situations économiques, la croissance faible, un taux de chômage élevé, taux de chômage des jeunes élevé, et on trouve ça globalement dans tout le bassin méditerranéen, rive nord. Alors que d'autres pays de l'Europe centrale se portent mieux parce qu'elle a su maintenir son industrie, alors que nous avons perdu une grande partie des activités de production qui se sont délocalisées. Et donc, face à ça, les miettes que l'Union européenne peut distribuer, je m'excuse d'être un peu direct, un peu franc, mais les miettes que l'Union européenne peut distribuer pour telle ou telle île, bon, il faut bien les utiliser quand elles existent. Mais fondamentalement, il faut refonder, ressourcer le projet européen à partir des réalités locales. D'abord sur les problèmes de financement, il y a une nouvelle grande initiative que Jean-Claude Juncker, nouveau président de la Commission européenne, a lancée il y a quelques semaines, d'un grand plan d'investissement de 325 milliards d'euros avec des prêts. Il faut que ces prêts, d'abord, ça fonctionne vite, ça fonctionne de manière non bureaucratique, ensuite, que ça porte surtout sur les régions qui ont ces problèmes de désindustrialisation ou de désertification. Je pense que ça concerne, par exemple, la montagne Corse, où on est pris, c'est vraiment de la désertification. Il y a plein d'autres régions d'Europe qui sont en train de se désertifier ou de perdre leur population. Imaginez que le Portugal, qui a aujourd'hui 10 millions d'habitants, 9 millions maintenant, les perspectives, c'est qu'il passe à 6 millions d'habitants dans les 50 ans qui viennent, si rien ne change, parce qu'il y a une immigration très forte. Même chose en Bulgarie, d'où vient Diliana. La Bulgarie a déjà perdu 2 millions d'habitants en 20 ans. Alors si c'est ça l'Union européenne, d'avoir des pays qui se vident, des zones entières qui se vident, et une concentration dans une petite partie du territoire, ben ça c'est pas mon projet européen. Et donc la politique des îles, pour répondre à votre question, c'est pas uniquement la question des îles, c'est globalement la vision qu'on a du développement économique. Soit on a une vision cohésion économique et sociale, convergence économique et sociale, gouvernance à partir des citoyens, soit on a une vision bureaucratique, idéologique, donc, et là on concentre le développement uniquement là où se trouve la plus grande partie de la population, et on a une vision globale des marchés, et là on voit que les citoyens ne suivent plus. Et à mon avis, le projet européen, le projet des institutions de Bruxelles, pas l'idée européenne est profondément enracinée, je crois. Chacun d'entre nous, elle ne va pas mourir, mais le projet Bruxelles, l'institution européenne, va mourir si les citoyens ne s'y reconnaissent plus. Il y a un problème de globalisation, je vous entends très bien. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème de cohérence? Je vais prendre un exemple que vous connaissez bien, parce que vous avez fait un peu la... Vous avez créé la sensation médiatique il n'y a pas si longtemps sur le statut de résident, une idée qu'avait lancée Paul Jacob, il est en Corse maintenant, entre parenthèses. Donc vous avez l'air de dire que l'Europe pouvait être accessible à ce genre de démarche, et on a vu très vite que le gouvernement français verrouillait la porte à double tour. Et pour les transports, par exemple, c'est le contraire. Les transports, c'est pas moins important, évidemment, que la spéculation foncière pour une île. Et pourtant, le gouvernement a fait la démarche de demander de la souplesse pour préserver des milliers d'emplois. Et c'est la justice européenne, à contrario, qui fait tomber le couperet avec des amendes de 400 ou 440 millions, je crois. Je dis, comment on peut gérer ce paradoxe? Alors d'abord sur le statut de résident, bon, je crois qu'on en parlera tout à l'heure. On fait, je veux dire, l'Union européenne à bon dos. Hein. C'est-à-dire que quand on ne veut pas
quand, dès qu'il y a un problème, dès quelque chose que l'État, l'État français entre autres, et notamment d'ailleurs, ne veut pas voir comme avancer, on dit toujours oui mais ça ce sera pas permis par Bruxelles sans avancer plus en détail. Ma réaction médiatique l'année dernière, c'est que quand Paul Jacob a lancé l'Assemblée de Corse, qui a prévoté cette idée de statut de résident, la première réaction qui était venait du continent, mais aussi en Corse, c'est de dire que de toute façon, c'est impossible, les traités européens ne le permettent pas. Et moi, j'ai simplement rappelé qu'il y avait un certain nombre, et ce sera expliqué tout à l'heure d'ailleurs, un certain nombre de territoires européens qui, d'une manière ou d'une autre, s'étaient posé ce problème, parce que le problème existe. Et les traités, les lois, les textes, etc., ils sont faits par les femmes et les hommes. Donc ce qu'on fait un jour, on peut le défaire. Dans les différentes situations de territoires en Europe qui se posent cette question, il y a des îles, il y a des territoires, en Belgique, il y a le Tyrol, il y a l'île de Man, il y a beaucoup d'exemples. La Cour de justice européenne, qui est souvent consultée, n'a pas une vision aussi tranchée. Elle dit, bon, tel que c'est présenté, ça paraît incompatible par rapport au droit européen, mais si telle ou telle condition était respectée, on pourrait imaginer. Dans le pays de mon ami Liliana en Bulgarie, si vous êtes un étranger, vous ne pouvez pas acheter, vous pouvez acheter une maison, mais vous ne pouvez pas acheter de terrain. Encore maintenant, et c'était prolongé par le Parlement bulgare, Bulgarie est dans l'Union européenne maintenant depuis 10 ans. Donc il y a toute une série d'exceptions. Ce n'est pas vrai que les traités européens soient si monolithiques. C'est ce que j'ai voulu dire par ma réaction. D'accord. Alors je voulais savoir comment, juridiquement, voire structurellement, puisque c'est en l'occurrence, là c'est le groupe, c'est je dirais pas Paris pour faire vite qui s'est opposé, comment il serait possible pour des régions et des territoires qui ont des demandes fortes, et je dirais peut-être même à identité exacerbée, de contourner leur capital respectif pour obtenir de l'Europe des avancées assez concrètes. Est-ce que la Corse, par exemple, devrait se payer une antenne à Bruxelles, voilà. Bon, alors, d'abord, la Corse a déjà une antenne à Bruxelles. Donc, elle se paye déjà une antenne à Bruxelles. Je suis d'ailleurs bien payé pour le savoir, puisque cette antenne de Bruxelles, elle a été établie par Jean Baggione, qui était président de l'exécutif, qui a fait héberger dans la délégation des chambres de commerce françaises à Bruxelles, dont j'étais le directeur à l'époque. Donc, d'accord, je pense que ça doit être une vingtaine d'années. Je ne pense pas que ce soit vraiment une question d'avoir un ambassadeur, d'établir une ambassade, d'établir... Bon, je pense que c'est vraiment un double mouvement. C'est un mouvement d'abord à partir de la Corse. Je vois maintenant que le plan de développement, le PADUC, a été adopté par l'Assemblée, et c'est un pas, je crois, de géant. Parce que pendant longtemps, il venait d'ici, de la Corse, des signaux différents sur ce qu'on voulait. Donc, l'État français, comme d'ailleurs la Commission européenne, mais notamment l'État français, cet exemple peut servir d'ailleurs pour d'autres régions européennes, pouvait se dire, mais finalement, qu'est-ce que les Corses veulent? Ils veulent plus de tourisme, ils veulent moins de tourisme, ils veulent du développement durable ou pas développement durable. Ça fait 40 ans qu'on se pose la question. Voilà. Alors, maintenant qu'il y a une vision et qu'il y a le PADUC, au moins on peut dire, et ça je crois que c'est important, qu'il y a une majorité qui a un projet. Et ça, je crois que ça c'est fondamental, de savoir qu'est-ce que vous voulez, quel est votre projet, quel est notre projet de développement. Non. Et à partir. Donc ça, c'est déjà un premier pas, c'est déjà, on a mis quelque chose de très important, que les régions, les territoires, les régions, les îles, créent un consensus, ce ne sera jamais à 100%, mais un consensus, une majorité qui définit un projet de développement. Parce que sinon, vous dépourriez, c'est bien connu, et les États nationaux, ils jouent là-dessus pour ensuite faire en fait ce qu'ils veulent, et c'est-à-dire souvent rien. Mais de l'autre côté, il faut aussi que les choses changent à Bruxelles, et que les institutions européennes recommencent comme elles faisaient il y a 20 ans, et moi je plaide pour ça, avec mes amis du comité des régions, avec mes amis du comité économique et social, avec mes amis du Parlement européen. Je viens de signer il y a quelques mois un accord, je dirais, historique avec le Parlement européen, avec le comité des régions,
pour que les trois instances, je dirais, démocratiques des institutions européennes, les citoyens avec le Parlement européen, les territoires avec le comité des régions, les acteurs économiques et sociaux de la société civile avec le comité économique social, nous coopérions pour que nous soyons ensemble plus forts, pour que les gouvernements, qui en général ne pensent qu'aux intérêts des capitales, et la Commission européenne, extrêmement, pour le moment, dominée par une idéologie ou des dogmatiques bureaucratiques. Moi, j'espère que cette nouvelle équipe vont changer ça et vont mettre un peu plus de politique, vont faire pression sur eux pour qu'eux se mettent davantage à écouter. Et que, par exemple, pour être très concret, dans le plan Juncker, sa relance de l'investissement de ces 325 milliards d'euros, au lieu d'avoir des dispositifs Bruxelles bureaucratiques, on soutient les initiatives locales, on soutient les territoires pour leur développement et, par exemple, soutenir l'excellente initiative de Fébroukoui à laquelle j'ai participé hier soir, laquelle d'ailleurs j'ai souscrit aussi. Toutes et tous à souscrire. Oui, moi je voulais juste faire une remarque par rapport à ce que vous disiez. Vous parlez de diversification en amorçant ce que vous venez de dire par rapport à ce qu'il fallait qu'il change à Bruxelles. Il y a une véritable diversification, mais il y a aussi un effet par rapport à ça. Quand on presse les régions pour avoir, ou les îles, hein, parce que c'est vraiment le cas, pas qu'en Corse, mais dans toute l'Europe du Sud, quand on presse véritablement à avoir la même politique d'austérité qu'un territoire national, et bien, effectivement, il y a des effets qui sont beaucoup plus drastiques et beaucoup plus difficiles. Parce que c'est des petites régions, c'est des petites îles, elles n'ont pas la même infrastructure qu'en métropole. Donc, qu'est-ce qui se passe au final? Eh bien, les étudiants, les cerveaux désertent, s'en vont, ils vont vers le nord, ils vont effectivement chercher une meilleure chance et un job ailleurs. Pareil pour ceux qui ont les médecins, les avocats. Moi, je le vois véritablement en fait. Il y a énormément de médecins, d'avocats, de juristes qui vont vers le nord de l'Europe pour trouver un meilleur job parce que le salaire minimum est passé à 480 euros par mois. Donc ils se disent qu'ils ne peuvent pas vivre en Grèce à l'heure actuelle. Et ce n'est pas valable que pour Athènes, hein, c'est valable dans tout le pays, même dans les îles. Et le résultat, lequel est-il? C'est que quand il n'y a plus d'étudiants, quand il n'y a plus de cerveau, et bien du coup, effectivement, il y a des îles désertes, mais c'est des îles, comme en Bulgarie aussi, des villages qui sont magnifiques et qui sont des havres de paix pour les touristes du Nord ou les retraités du Nord. Et du coup, j'ai l'impression que l'Europe du Sud devient un peu le Miami de l'Europe pour les retraités ou pour ceux qui veulent avoir leurs vacances. Et on le voit de plus en plus parce que de plus en plus de touristes du Nord de l'Europe viennent acheter leur maison dans ces îles qui sont en pleine désertification. Et ça, c'est un véritable phénomène. Alors jusqu'à présent, c'était comme en Bulgarie, on ne donnait pas forcément le droit d'acheter un terrain ou une maison. Sauf qu'à force de crise économique et d'un besoin d'argent au niveau national, eh bien la loi a changé. La loi a changé aussi sous pression européenne. Résultat, quand c'est un investissement de plus de 300 000 euros, eh bien la personne a immédiatement la nationalité grecque, un visa forcément, et donc le droit d'acheter ce qu'il veut en Grèce. C'est ce qui est en train de se passer aussi avec les Chinois, c'est en train de se passer avec les Allemands, avec les Suédois, avec les Finlandais, qui forcément trouvent que la Grèce, mais pas seulement, il y a Chypre aussi, et forcément ça va un peu partout, sont des havres de paix, et que tout ça nous fait un pied-à-terre pour les vacances, avec les enfants, et pourquoi pas une belle petite retraite. Et c'est ça un peu le danger à l'heure actuelle, c'est qu'à force de politiques qui sont trop concentrées sur la bureaucratie européenne à la Commission, eh ben on ne se rend pas compte que sur le terrain, eh bien ça bouge, et ça ne bouge pas dans le meilleur des sens. Est-ce que vous parliez des gens qui partaient, je veux juste compléter, il y a aussi beaucoup d'exodes de jeunes en Grèce, comment on peut espérer bâtir un avenir avec ça? Le problème des jeunes en Grèce, c'est ce que je viens d'expliquer, c'est que jusqu'à présent, la Grèce avait le nombre de jeunes diplômés le plus important d'Europe. Et parallèlement, le nombre de jeunes chômeurs le plus important d'Europe. Donc, mais c'est ça la crise, c'est que du coup, il n'y a pas de renouvellement. Les jeunes n'ont qu'une envie à l'heure actuelle, c'est de partir, d'aller ailleurs. Et qui va être serveur dans un restaurant en Allemagne, ils diront qu'ils auront un meilleur avenir que celui qu'on leur propose en Grèce, à savoir une corruption et surtout une cooptation qui n'a pas l'air, et un népotisme hein, qui continue de persévérer encore plus, je dirais maintenant. Ça veut dire qu'il n'y a toujours pas de valorisation d'un CV, on envoie un CV dans
dans une société, même si on est surdiplômé, eh bien on ne va pas nous prendre, ou alors ce sera avec le salaire minimum à 480 € pendant un laps de temps assez conséquent. Et donc c'est vrai que c'est assez difficile, il n'y a pas de perspective, et c'est ça le danger. Qu'est-ce qui va se passer dans 10-20 ans? Comment va être la nouvelle génération? Et là, il y a un véritable problème qui se pose. Ça c'est d'une part, et d'autre part, on voit après le reste de la population qui voit ses enfants partir, qui voit les Grecs immigrer. Vous savez, les Grecs ont déjà beaucoup immigré. Il y a 10 millions de Grecs en Grèce, il y en a autant à l'étranger, en France, aux États-Unis, en Australie, parce que c'est un peuple qui a toujours migré du fait de son passé, il y a eu une guerre civile, une guerre mondiale, une dictature. Et donc la démocratie, c'est très récent, ça date de 1974. Et quand on leur dit maintenant que ça ne va pas, autant migrer à nouveau, c'est difficile. Du coup, la population se rétracte, et là, on voit un phénomène qui est très dangereux, c'est la montée des néo-nazis. C'est, on voit un phénomène nationaliste qui est... Au début, on ne le prenait pas au sérieux, moi, la première, parce qu'on disait, bon, c'est des rigolos, des videurs de voix, mais là, on voit qu'ils ont pris une place dans la population. Et c'est dangereux parce que ce sont vraiment... c'est des criminels, c'est une organisation criminelle à juste titre. Le parti néo-nazi en Grèce qui s'appelle Autoré. Donc ça, c'est véritablement un danger. Et là, on se dit, mais c'est ça l'Europe? C'est ça la démocratie européenne? Et moi, c'est ma question, c'est maintenant, où va l'Europe? Qu'est-ce qu'on fait? Et si les extrémistes montent comme ça, vous citiez vous-même dans votre bouquin, un politologue grec, je crois, qui a fait ses études à Harvard, qui disait qu'en Grèce, la démocratie n'était qu'apparente, que c'était une société très individualiste, et que de ce fait, la conscience civique faisait défaut. Est-ce que ce n'est pas faire le lit des extrémismes? Après, je pense que chacun trouve aussi son explication. Parce que c'est très très difficile, chacun devient de plus en plus individualiste. Mais la société grecque, elle est très individualiste depuis quelques années, depuis au moins une génération. Pourquoi? Parce que quand on leur a donné, on parlait tout à l'heure des euros, donné des valises d'euros, donné des drachmes. La Grèce est rentrée dans l'euro, dans les années 2000, et donc ça a permis au pays d'emprunter à bas prix. Du coup, le pays s'est endetté, et alors là, c'était l'hécatombe, c'était ce qui est matérialiste et de facto de plus individualiste dans la société. Chacun ne pensait qu'à avoir une très grosse voiture, sans citer marque, parce que c'était ça, ils en avaient 4-5 par famille, c'était vivre tous avec 5, 6, 7, 10, 20 cartes de crédit par personne, c'était la Dolce Vita, c'était l'insouciance, jusqu'aux Jeux Olympiques, où là, c'était vraiment sublime. Et là, on passe de l'insouciance à l'insécurité. Et donc, il y a cet individualisme qui a été créé par cette société de surconsommation, et derrière l'insécurité, en disant « Oh, mais qu'est-ce qui va se passer maintenant ?» Et ça, c'est pas valable pour Grèce, hein. C'est valable aussi à Chypre, c'est valable un peu dans l'Italie du Sud. On le voit maintenant, on se dit, les gens se demandent véritablement quelle est leur place actuelle dans l'Europe. Est-ce qu'on les écoute? Est-ce qu'on va les écouter? Et ces partis extrémistes dont on parle, on les voit effectivement, ils prennent une place certaine à Athènes, mais surtout justement dans les îles, et notamment les plus retranchées. Parce que forcément, bah, c'est des îles qui sont proches des côtes turques, il y a une migration qui vient de pays, et ce sont tous des réfugiés comme de Syrie, il y en a encore 700 qui sont arrivés en Crète la semaine dernière, et forcément, bah, les gens, la population ne comprennent pas, ils ne savent pas qu'eux aussi ont été, ils oublient qu'eux aussi ont été migrants. Et comme ils ont peur de leur situation actuelle, bah, ils se disent, bon, allez... on se retrouve plutôt vers les partis extrémistes. Et ça, c'est dur. Et ça, c'est un danger. Et ça, c'est ce que n'écoute absolument pas l'Europe. L'Europe ne veut plus de menaces. Elle n'écoute pas la menace de la France qui dit « Attention, Marine Le Pen va gagner », de l'Espagne qui dit « Attention, il y a le parti Podemos qui gagne », et de la Grèce « Attention, il y a Autoré ». Bruxelles, en tout cas la Commission européenne, n'en a rien à faire. Tout ce qu'ils veulent, c'est les mesures d'austérité, un programme bien orchestré, notamment par l'Allemagne, et c'est tout. Sauf que c'est pas comme ça que ça fonctionne l'Europe. On est censé être une Europe qui s'écoute chacun les uns les autres, comme les cinq doigts de la main, on est tous un peu différents, et on était censé construire quelque chose ensemble. En tout cas, c'est un peu ma vision des choses. Je voulais poser une question à Vincent Casano. Je voulais savoir si c'est le même sentiment que moi, qu'il y a une sorte de mutisme ou de réticence de la part du pouvoir européen face aux velléités d'émancipation des territoires. On peut citer la Catalogne, le Pays Basque, la Corse, etc. Je ne sais pas si ça marche. En fait,
l'un des enjeux, à mon avis, du débat n'est pas de... il faut savoir de quoi on parle quand on dit Europe, en fait. Quand on dit Europe, ça fait un peu une métonymie, on dit plein de choses. Derrière tout ça, et ça a été rappelé, aujourd'hui, l'Europe, c'est quand même l'Europe, beaucoup des intérêts nationaux, ça a été dit en introduction, je pense que c'est très fort. C'est que finalement, l'Union européenne, ce sont trois institutions au moins principales, et le problème, ce n'est pas tant, en tant que telle, l'Union européenne, à mon avis, que les politiques qui sont menées, et que le clivage à trouver, ce n'est pas d'être pour ou contre l'Europe, mais bien quelle politique mener au sein de cette Union européenne. Et de ce point de vue-là, est évoquée la question de l'austérité, et c'est ça qui est un petit peu problématique, c'est bien les politiques, pour le dire assez ouvertement de droite, menées par la Commission européenne depuis tant d'années, et c'est sur ce clivage-là qu'il faut, à mon avis, travailler. Et c'est pas tant donc, sur un problème d'institution, de sourde oreille, on pourrait dire, des instances, sachant que, de toute façon, ces institutions sont là, il y a des équilibres et des tensions qui existent entre le Parlement, le Conseil et la Commission, que c'est des rapports de force, et qu'il faut s'emparer, en fait, de ces institutions, de ces rapports de force, et il faut mener l'action politique, comme, en fait, à l'échelle nationale. C'est-à-dire qu'il faut considérer que l'Union européenne, c'est un plan de l'action politique, au même titre que n'importe quelle, en fait, échelle politique. Et du coup, les territoires, dans tout ça, si on prend le cas de la Corse, par exemple, mais effectivement sur la Catalogne, il me semble, et c'était évoqué aussi en introduction, de toute façon, on ne va pas pouvoir faire sans. Je fais partie des gens qui pensent que sortir de l'euro, sortir de l'Union européenne, ou finir avec l'Union européenne, c'est un peu une aberration. Ça n'a pas de sens. Et la seule question à se poser, c'est comment dépendre de ses voisins. Et est-ce qu'il vaut mieux dépendre de ses voisins en étant hors des institutions ou avec, dans les mêmes institutions? Je pense que c'est dedans que ça va pouvoir se faire. Et du coup, il me semble que les territoires, et peut-être que je reviendrai un peu sur le... Moi, j'ai une petite réticence, en fait, à la notion de territoire en tant que telle, parce qu'elle est très souvent indexée à la question des collectivités territoriales. Et je ne suis pas certain que... je le dis maintenant, mais que la déclinaison, finalement... du fonctionnement étatique à l'échelle d'une collectivité territoriale soit forcément, en fait, une solution. Et c'est pas parce qu'on redescendrait au niveau territorial qu'on va, en fait, résoudre les problèmes. Je pense que leur véritable enjeu, c'est une subversion des principes d'organisation étatique. Là, il y a, en fait, effectivement, le fonctionnement de l'État et de l'État central, et pour la Corse, c'est évident aujourd'hui, les blocages... Ce sont les blocages de l'État central. C'est pour le dire simplement, et j'y habite, c'est Paris. Et c'est évidemment là que les problèmes se posent aujourd'hui très fortement. Et quand on voit une assemblée qui effectivement va pouvoir voter des délibérations à l'unanimité et qui ne sont absolument pas, en fait, entendues. Parce que les collectivités territoriales ne sont rien d'autre que des déclinaisons d'administration, en fait, aujourd'hui, de l'État central. Mais c'est le cas pour la France, mais c'est le cas aussi, finalement, dans beaucoup de pays qui ne sont pas autant centralisés. Et ça, c'est pas uniquement l'héritage, on pourrait dire, monarchiste ou napoléonien de la centralisation, c'est le fonctionnement, la conception de ce que c'est qu'une collectivité territoriale. Et il me semble que ce qu'il y a pour la Corse, pour les Corses, en l'occurrence, à travailler, c'est bien ces jeux de transversalité de souveraineté que permet, en fait, l'Union européenne. La Corse, en France, c'est un cul-de-sac. C'est-à-dire que c'est en bas à droite, pour le dire vite, sur la carte. À l'échelle de l'Union européenne, c'est plus du tout en bas à droite. Il y a un projet de macro-région, par exemple, méditerranéenne, qui peut permettre ce plan d'action transversal. Et c'est, à mon avis, là qu'il faut, en fait, travailler, c'est là qu'il faut porter l'action. Et finalement, Paris, il faut le plus possible... Voilà, il faut mener le fer contre, à mon avis, Paris, contre les politiques, et au sens des hommes politiques aussi, de gauche ou de droite, parce que certains de gauche, finalement, sont plus centralisateurs que jamais, à mon avis, actuellement. Et c'est avec l'Union européenne et au sein des instances de l'Union européenne qu'il y a un front qui peut s'ouvrir. Et là, le Parlement européen, à mon avis, qui est quand même il y a eu des élections il y a 6 mois, c'est un lieu de transparence démocratique, le Parlement européen, qui n'a pas d'égal, en fait,
par rapport à tous les autres parlements nationaux. Et ça, je trouve ça assez fascinant, et c'est pour ça que on va dire que l'échelle européenne m'intéresse. Enfin, il faudrait aussi qu'à la base, on se sente un peu citoyen européen, et ce n'est pas le cas. Donc, La citoyenneté européenne, c'est une très belle idée. Il y a un problème historique de cette définition de la citoyenneté européenne, c'est qu'elle est limitée depuis sa définition en 86 avec l'acte unique, qui en exclut une catégorie de population, c'est la population rome, qui n'est pas considérée en fait comme définitivement citoyen européen parce qu'on y indexe l'obligation d'avoir des revenus permettant d'être citoyen européen. C'est l'une des conditions qui est énoncée très clairement dans la définition 86, et du coup, ça fixe déjà une limite qui est terrible parce que ça exclut une catégorie de population. Et après, de toute façon, on voit bien comment fonctionnent les agendas politiques. Moi, c'est ce qui me réjouit, c'est qu'on parle 6 mois après, finalement, de l'Europe, et qu'on n'en parle pas seulement 6 mois avant. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'il faudrait en parler tout le temps. Et là-dessus, je pense qu'il y a une responsabilité médiatique et politique à faire que l'Union européenne soit un sujet constant et que les questions de décision politique sont essentielles. Et qu'en gros, 2017 n'est pas une échéance intéressante, par exemple, à l'échelle, on va dire, politique. Même si, et parce que ça rejoue constamment le fait que, finalement, dans l'Union européenne, ce sont les États, à la fin, qui vont mener les politiques. Or, l'État n'est plus une échelle, l'État-nation, en l'occurrence, n'est pas une échelle intéressante aujourd'hui pour les grands enjeux. Et si on en prend un, qui est, à mon avis, l'enjeu quand même à venir, qui est l'enjeu de l'écologie politique. Qu'est-ce que, pour aujourd'hui, l'État-nation, par rapport aux grands enjeux d'écologie politique? Pas grand-chose. La définition de l'État-nation n'est pas pertinente en tant que telle aujourd'hui, à mon avis, pour les questions des grands enjeux politiques. D'abord, je voulais dire donc à Alexia, pour parler de la Grèce, dans ma fonction de président du Comité économique social européen, cher ami est aussi une expression importante, et parce que je crois que c'est un travers que nous avons tous, de toujours se concentrer sur les lieux de pouvoir où il y a de l'argent, où il y a des ministres, et on nous dit qu'il y a d'autres instances, et que ces instances peuvent être, si elles sont les utilisent, encore plus importantes, les instances citoyennes. C'est pour ça que j'ai fait cet accord avec, nous avons signé cet accord avec le Parlement et le Comité des régions. Mais pour revenir à la Grèce, moi j'ai entrepris de visiter un après l'autre tous les États membres de l'Union européenne. Et j'ai commencé par la Grèce. Et en fait, j'ai vu le Premier ministre Samaras, j'ai rencontré aussi beaucoup de jeunes. Et dans mes rencontres avec les jeunes, une chose qui m'est restée en mémoire, un étudiant qui m'a dit lors d'une rencontre, moi monsieur, je me sens un immigré dans mon propre pays. Parce que je sais que je n'ai pas d'avenir et que je vais devoir justement partir. Et ça m'a beaucoup interpellé. Et ça, c'est pas le projet européen pour lequel je consacre ma vie et ma passion sans penser une quelconque carrière. C'est pas ça. Notre projet européen, c'est un projet d'abord de solidarité. Et ça m'a amené. J'ai eu après une seconde rencontre en Grèce avec l'évêque d'Athènes et de toute la Grèce, qui s'appelle Hieronymus II. C'est un grand barbu, un homme très prestigieux qui est très respecté en Grèce, qui fait beaucoup d'ailleurs pour aider les gens qui sont en difficulté, contrairement à ce qu'on dit sur l'Église qui est caricaturée, beaucoup de gens qui ne savent rien. Et Hieronymus II m'a dit, moi, j'étais en 80, quand la question s'est posée que la Grèce rejoindrait la communauté européenne, un des rares dignitaires de l'Église à être en faveur. Parce que beaucoup d'autres disaient, on va perdre notre identité, on va perdre notre âme, on va perdre nos valeurs. Et il m'a dit, aujourd'hui, je regrette le choix que j'ai fait. Quand je vois la Troïka, l'austérité, etc. Vous savez, quand moi j'étais en Grèce, il y a un an, il y avait une visite de la Troïka. La Grèce demandait une nouvelle tranche d'aide, et il y a un fonctionnaire de la Troïka, un fonctionnaire de la Commission européenne, qui a dit froidement, on ne donnera rien à la Grèce avant la fin de ses vacances de ski, avant la fin de la saison de ski. Enfin, vous vous souvenez de ça, et moi j'ai réagi, ça a été repris aussi médiatiquement, et moi j'ai trouvé ça inacceptable de bêtises et de mépris pour la population.
Et cette Europe-là, cette Union européenne-là, ce n'est pas la mienne. Mais c'est celle que, malheureusement, depuis une vingtaine d'années, les gouvernements, tous les gouvernements, tous compris, et aussi l'administration de la Commission européenne, qui est devenue en fait à la solde des gouvernements, alors qu'au début, c'était des gens qui avaient des étoiles européennes dans les yeux, qui croyaient vraiment, maintenant, pour la plupart, ce sont devenus des bureaucrates qui font simplement carrière. Et c'est ça, la dérive de l'Europe qu'on connaît depuis 20 ans, c'est la jonction entre des gouvernements qui ont perdu le sens de l'intérêt européen et une administration qui tourne pour elle-même avec une base idéologique. Moi, je ne dirais pas qu'elle est de droite ou de gauche, je dirais elle est mondialiste, elle a perdu tout. Elle a perdu tout sens des réalités, c'est la bulle de Bruxelles. Et le projet européen, il doit se ressourcer. Et juste terminer de dire ça, il faut d'abord qu'on think global et act local. Il faut qu'on change complètement la façon dont on gère les politiques européennes. Il faut qu'on parte de la base, qu'on parte des besoins. Au niveau européen, bien entendu, on développe par exemple des objectifs. Je prends l'exemple de l'énergie. On prend le développement durable, on prend l'objectif de la transition énergétique, réduire la consommation d'énergie, développer des énergies nouvelles. Mais après, il faut laisser au niveau pertinent, qui est la plupart du temps plutôt la région, l'île, le territoire, quel que soit le terme, et pas l'État, surtout quand cet État est trop grand et très centralisé, qui définit la façon. La Corse a sa vision de la transition énergétique. Et ce n'est pas à Bruxelles à déterminer comment. Comme ce n'est pas à Bruxelles à déterminer comment on fabrique notre fromage, comment on fait le goût sur le land. C'est parce que c'est ça qu'il faut reprendre le projet européen qui s'est perdu il y a 20 ans, depuis 20 ans, par ce surpoids des États et des administrations, Paris, Athènes et les autres. Et cette vision bureaucratique. C'est comme ça, je force. Moi, je suis optimiste. Je pousse beaucoup. Moi, j'ai dit à Jean-Claude Juncker, on est entre nous, mais j'ai dit à Jean-Claude Juncker, si vous arrivez à dompter votre bureaucratie, si vous arrivez à ne plus être sans arrêt au téléphone avec Paris, Berlin, Londres et autres, mais avoir vraiment une vision européenne, comme l'était à l'époque Jacques Delors, eh bien, le Parlement européen, notre comité, on sera avec vous pour vraiment faire le changement, pour vraiment renverser, c'est-à-dire partir de la base pour aller vers le sommet, et non pas du sommet à la base comme c'est aujourd'hui. Oui, mais on ne peut pas forcément comparer avec ce qu'a fait Jacques Delors à l'époque, parce que maintenant, l'Union européenne, c'est 28 pays, et c'est très très dur de les mettre d'accord d'abord, parce que chacun a sa propre volonté et autre. Mais justement, je voulais souligner ce que vous disiez par rapport à ça. Oui, il y a une vraie volonté de Jean-Claude Juncker maintenant, le nouveau président de la Commission européenne, de changer tout cela. Mais est-ce que finalement, il y a une réelle volonté de chaque État? Alors, ce n'est pas l'État en tant que tel. Oui, le peuple veut changer. Les Grecs ne sont pas contre l'Europe, par exemple. Ils sont malgré tout pour l'Europe, pour l'euro. Et c'est valable aussi pour les Chypriotes. Mais qu'est-ce qui se passe concrètement? Au-dessus de, il y a un intermédiaire entre les peuples et ce qu'on appelle l'Europe, à savoir la Commission européenne. Eh bien, il y a les gouvernements. Et sauf que les gouvernements, à l'heure actuelle, c'est valable en France, c'est valable en Italie, c'est valable en Grèce, à Chypre, même partout en Europe maintenant, ils n'ont que des politiques partisanes. Et c'est-à-dire qu'ils ne s'intéressent qu'à leur mandat, qu'à gagner les élections, qu'à gouverner dans leur propre cercle, avec leur propre parti. Des partis politiques qui périclitent dans tous les sens, et c'est valable partout, il n'y a plus de droite, gauche, il n'y a plus d'extrême gauche, c'est terrible ce qui est en train de se passer politiquement. Du coup, les gens en ont assez de la politique. Ils sont complètement désintéressés, les citoyens. Sauf que la politique européenne passe par les dirigeants, donc passe par les politiques. Et donc, quand on voit qu'il y a un véritable divorce, et qu'il y a un énorme ravin entre les citoyens et les politiques, et donc que ça ne remonte pas, et que du coup les politiques ne n'y voient rien du tout, et tout ce qu'ils pensent c'est à gagner les élections de leur parti, puis les élections nationales, et bien, excusez-moi, mais ça ne peut pas fonctionner non plus comme ça, et l'Europe n'en a pas forcément confiance. Du coup, on a les bureaucrates de l'Union européenne qui s'adressent aux chefs d'État à chaque fois, que ce soit le Premier ministre grec ou le président français,
mais qui n'ont pas une réelle vision de la situation, qui ne savent pas comment les entrepreneurs ont du mal à faire fonctionner leur entreprise parce qu'il y a trop de taxes, qui ne savent pas comment le retraité en a assez parce qu'on lui a coupé sa retraite à 20 reprises depuis 2010. Donc ça, ils ne savent pas, ils n'ont pas de réalité, ils n'ont pas ce qu'on appelle les mains dans le cambouis. Donc il y a un décalage. Et ce décalage, finalement, c'est véritablement ça le danger. Et on a des bureaucrates qui, effectivement, comme vous le disiez, arrivent en Grèce et vous disent, comme Olli Rehn, par exemple, qui était à l'époque commissaire aux comptes de l'Union européenne au début de la crise, qui a dit aux Grecs, vous savez, bon, la crise grecque, c'est bien, mais quand même, ça m'empêche de jouer au foot le matin, le dimanche matin avec mon fils. Les Grecs, on leur coupait leur salaire, on leur coupait leur retraite, il y a de l'argent, les banques ne prêtaient plus l'argent, il n'y avait plus rien dans le pays, et voilà ce que nous disait le commissaire. Oui, c'est absurde. Mais forcément, ça en devient absurde, parce que aussi, les chefs d'État, à chaque fois, sont absurdes. On le voit bien, et ça, c'est partout en Europe. Il y a des scandales partout, et il y a ce divorce-là. Donc ça part aussi d'une politique nationale avant d'être aussi européenne. Oui, alors je souscris absolument à ce constat, et notamment, enfin, voir que, en gros, un mandat au Parlement européen, c'est un mandat pour se recaser après une élection, ou parce qu'on a été, on a démissionné d'un poste de ministère, c'est un ministre de l'Éducation nationale qui, en gros, 6 mois avant, se présente, on sent qu'il va se présenter aux élections européennes pour avoir un mandat électif. Ça, c'est consternant. Et là, de ce point de vue-là, la responsabilité des gouvernants et des élus est affligeante et désespérante. Même chose quand on voit que l'ancien ministre de l'Économie et des Finances se retrouve, en fait, commissaire européen, et c'est un jeu de tractation politique qui est en fait un pur jeu de rapport de force entre chefs d'État. Et à ce compte-là, de toute façon, c'est pas possible, ça ne pourra pas fonctionner. Et il me semble qu'il existe, et il existe donc le Comité économique social européen, et il existe des instances, justement, qui doivent être des lieux d'action, et là, de lobbying extrêmement fort, puisqu'on ne pourra pas faire sans. Il me semble que c'est un des échelons essentiels pour faire de la politique, mais qu'il faut s'imposer, court-circuiter ces gouvernements et qu'à un moment, ils finissent par comprendre qu'effectivement, ça ne peut pas se passer comme ça. En l'occurrence, là, de ce point de vue-là, les dernières élections européennes pour le Parlement, c'était une grande farce. Et l'abstention est venue le montrer, tout simplement. Alors moi, l'une des réjouissances, pour le coup, c'est qu'en Grèce, que Syriza, par exemple, qui essaie de porter un discours politique européen, tout en, en attaquant frontalement les politiques d'austérité qui sont, alors peut-être qu'il ne faut pas dire que c'est droite ou gauche, néolibérales, qui à mon avis vont conduisent directement l'Union européenne et les pays européens et les populations européennes dans le mur. Et j'aimerais juste, dans un deuxième temps, réagir à la question du penser global, agir local. C'est devenu un slogan extrêmement, à mon avis, efficace qui donne l'impression d'être une solution. Et si on prend, et du coup je reviens à cette question d'écologie politique, puisque c'est quand même l'une des grandes choses en écologie politique, on dit qu'il faut partir de territoire. Et si on prend l'exemple, par exemple, de penser une politique sur l'eau en définissant des bassins versants, on va se dire qu'il y a un territoire naturel qu'on peut assez facilement délimiter. Sauf que cette délimitation naturelle, et prenons une île, par exemple, qui pourrait être une délimitation naturelle assez simple, en fait, c'est pas forcément l'échelle la plus pertinente, parce qu'un bassin versant dépend d'autres bassins versants. Et du coup, penser que c'est parce qu'il y aura un territoire qui va être le lieu d'une action, d'une politique énergétique uniquement sur une île, ça ne sera pas non plus totalement satisfaisant à terme. Évidemment qu'il existe, moi je plaide pour un empilement, en fait, contrairement à ce qu'on nous dit tous les jours, il faudrait supprimer les échelons intermédiaires parce que c'est inefficace. Je pense qu'il faut multiplier depuis la base, en fait, hein, et pas depuis des élections, et c'est pour ça que la démocratie directe m'intéresse, et pas par des modes d'élection et des parlements qui seraient absolument pas représentatifs. Je pense à des conseils généraux, par exemple, qui ne sont pas exactement forcément au fait de ce qui se passe à une échelle locale. Mais ce n'est pas parce qu'il y aura une assemblée territoriale qui aura été élue qu'en fait, ça va pouvoir réellement penser une politique cohérente. Peut-être sur ce territoire, mais en fait ce territoire il n'existe jamais tout seul. Ça n'existe pas. Il est forcément dépendant et interdépendant des autres, notamment d'un point de vue écologique, mais aussi d'un point de vue du coup forcément économique.
Ok, bon, avant de passer, on va passer, je crois, au débat avec la salle, hein, Jean-Baptiste. Moi, juste une dernière réflexion pour terminer, c'est un peu plus idéologique, mais je voulais savoir s'il n'y avait pas, on ne ressentait pas une certaine amertume sur le manque de considération, voire le manque de respect, sur ce qu'appelait tout à l'heure Henri Malos, la bureaucratie de Bruxelles pour certains territoires comme les nôtres. Je pense à la Corse et de Pascal Paoli et ce qu'il a apporté au siècle des Lumières, évidemment à l'adresse de Socrate et, qui a creusé les fondements de la démocratie. Je me demande si on ne devait pas avoir un droit à l'immunité de la part de Bruxelles, pour ne pas dire un droit au bistrot. Moi, je peux dire qu'en fait, les institutions européennes, elles sont là que parce que nous sommes là, nous, c'est-à-dire les citoyens européens. Et alors c'est vrai que la Grèce a la démocratie, c'est un mot démos, c'est un mot grec, et que l'Union européenne s'est fondée sur les valeurs de tous nos pays, mais de tous nos pays, chacun a apporté quelque chose. Et je crois qu'il ne faut pas dire que les Corses ou les autres, chacun a apporté quelque chose. Et je rappellerai, je vais faire une citation de Pascal Paoli dans son dernier discours. Je pense que c'était en 1907, où il a dit « Je voudrais d'un jour que les filles et fils de Corse puissent briller dans le monde. » Je crois que la politique européenne, c'est pas seulement le développement de nos territoires fermés, c'est le développement de nos territoires ouverts. C'est l'ouverture sur les autres, ce sont les échanges, ce sont les coopérations. C'est ça aussi l'Europe. Moi, je me bats pour une Europe qui est, c'est vrai, une Europe de la solidarité, qui est une Europe qui est des institutions qui ne se mêlent pas des détails de notre vie de tous les jours, qui se concentrent sur l'essentiel. Mais je suis aussi pour la mobilité, pour les échanges. Il faut qu'il y ait beaucoup d'Européens qui viennent en Corse. Non pas uniquement, effectivement, des retraités, parce qu'il faut qu'il y ait un équilibre, mais qui viennent ici pour créer des activités, pour travailler. Et je suis tellement heureux quand je vois, par exemple, la petite entreprise InMusic qui est dans le port de Bastia, hein, dans le vieux port. Je vois qu'il y a 17 jeunes là qui donnent des cours de musique par internet. Et parmi les 17, il y a des dizaines de Corses, il y a un Portugais, il y a un Grec, il y a un Italien. Et c'est ça qui est fantastique. Ça, l'Union Européenne, elle nous a donné énormément. Je suis très fier de l'Union Européenne. L'Union Européenne, elle a donné énormément. Mais alors, malheureusement, il y a un moment où, de notre faute, les citoyens se sont désinvestis de l'Europe. Ils ont dit, bon, on laisse faire les gouvernants, on laisse faire les politiques, on laisse faire la bureaucratie, on s'en occupe plus. Alors qu'à l'origine, c'était les citoyens. Et ça amène maintenant à cette espèce de monstre. Quoi, c'est pour ça qu'il faut que les citoyens se réapproprient le projet européen, et c'est comme ça qu'on le saura. C'est ça ce que je voulais dire. Et donc, les filles et filles de Corse, ils ont vocation à parcourir l'Europe et le monde, et à revenir ici, et à se déplacer, et d'ailleurs, à Corse. Elles jouent un rôle fantastique. Programme Erasmus, tous les jeunes européens et autres qui sont ici. C'est extraordinaire. Et ça, il faut le préserver. Il ne faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du monde. Juste sur la bureaucratie européenne, c'est rien à côté de la bureaucratie française quand même. En volume, le nombre de personnes qui travaillent au sein des instances administratives européennes, si on compare avec l'administration française, ça fait juste rigoler. C'est en gros l'équivalent du ministère de l'Agriculture. Français pour tout. Donc c'est, voilà, du coup c'est aussi des questions d'efficace. C'est-à-dire que cette bureaucratie européenne, elle n'est pas très nombreuse en fait, à Bruxelles. Sauf pour les 500, enfin pour pas les 500, les 300 millions d'habitants qu'il y a, si on compare à l'échelon national, il y a beaucoup plus de bureaucratie. C'est pas une question de nombre, hein, c'est une question de pouvoir, donc même si vous... C'est pas une question de nombre, je crois que si vous regardez la bureaucratie, elle est partout. Mais et c'est normal, la bureaucratie, ça influence l'administration. Mais à partir du moment où, vous savez, à chaque pas, dans notre comité économique social européen, nous avons des collaboratrices, il y en a deux qui sont là. Et c'est leur travail, et je suis très heureux qu'ils me contrôlent, qu'ils nous contrôlent, qu'ils organisent notre travail, qu'ils font en sorte qu'on respecte les textes et qu'on ne fasse pas n'importe quoi. Heureusement qu'ils sont là. Mais ce n'est pas à eux à déterminer les orientations politiques. Ce qui s'est passé à Bruxelles depuis 20 ans,
ce n'est pas l'augmentation du nombre des fonctionnaires, qu'il y en ait 20 000, 25 000, 30 000, 50 000, ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est qu'il y a un moment où, après Jacques Delors, et ce n'est pas une question de nombre de pays, hein, je crois que, justement, les gouvernements ont repris le dessus, et l'administration a repris le dessus, et les commissaires européens sont devenus, en fait, les porte-parole de leur administration, et, je dirais, les serviteurs et du gouvernement. Et c'est ça qui a perverti le projet européen. Donc c'est pas une question de nombre, c'est une question de savoir qui commande. Moi j'ai dit au commissaire, j'ai dit à Jean-Claude Juncker, dès le premier jour, il faut sur les questions de détail, de savoir que les horaires de travail des chauffeurs, il faut que ce soit vous qui commandiez et pas votre administration. Et si vous prenez le dessus, vous allez réussir comme Jacques Delors l'avait fait. Jacques Delors, il avait sa première décision, ça portait sur les horaires des chauffeurs. Il avait dit ça, c'est moi qui décide, c'est pas l'administration. C'est comme ça qu'on s'impose. Parce que si on se laisse marcher sur les pieds, l'administration devient la bureaucratie, c'est-à-dire que c'est elle qui dirige. Et je dis, ce n'est pas une question de nombre, c'est une question sociologique et philosophique de savoir qui commande. Thank you. I'm going to speak in English. I hope everybody is going to understand me. And I would like to take the floor just to answer the question of the moderator. He asked one very important question. What could be done more here in Corsica? And for me, there are two main ways. One is to have good ambassadors in the European Union in Brussels. And here I could say that you have one of the wonderful ambassadors in the face of Mr. Malos. And I hope if you have more people like him in Brussels, everybody will know about Corsica, about the problems of Corsica, and how Corsica is developing as EU region. The second thing, which is very important, I think we are not going to talk about EU bureaucracy. We talked enough of it. We know that it's one way or another great problem. The problem is what we could do as a civil society, all of us coming from different EU regions. I myself coming from Bulgaria, as a new member state still, Romania, Bulgaria and Croatia, the last new member states, I know the difficulties that we met when we joined the European Union. And I'm talking about my member state, as a member state, have in mind that we have a lot of regions that are totally depopulated, with a lot of problems, and nobody knows about them in Brussels, and we are trying to promote our member state. Talking about Corsica, it's even much more specific and much more difficult because Corsica is a region, it's an island region, it's a mountain in the sea, and it's only unique region from France as a member state. And here, I think that we should talk about how the civil society of Corsica, of Corsica's NGOs, could be included in different EU networks at Brussels levels, at member state level, even locally, talking about rural networks, talking about agricultural networks, about common agricultural policy, which already some of the speakers mentioned, talking about different cultural networks and how what we are doing to promote our regions, what the Corsicans are doing to promote their regions. You have unique history, unique culture. You just need to promote it, to use the EU funds. And I'm immediately going to mention the rural development program, where such interesting measures to promote historical and cultural tourism. I'm going to give you an example. Yesterday, I spent several hours reading about Pasquale Paoli because I don't know him. I said, okay, I'm going to a university and I don't know this name. And I started reading a lot. It's a unique figure. It's the first person here in Corsica who wrote a constitution. He was, in fact, one of the first at EU level. But we don't know it. At EU level, we don't know it. Corsicans, you do know it, but we don't. Why don't you promote it as historic tourism and cultural tourism and taste tourism, tourism related to your nature products, your agri-food products? 80% of your areas are rural areas, are mountain areas. So here, there is a great niche for all of us, including also Bulgaria, because at EU level, it's unknown. We should promote our regions and areas very actively, at NGO levels, at all networks in Brussels, in order to be known,
because I think that one of the greatest problems at EU level now is that we don't know each other. We don't know in details our diversity, our natural heritages, and also our cultural and history richness in different regions. So we should be much more active. And that's why I'm very happy that here we are in front of so young audience. It's you, young people of Corsica, that are going to promote Corsica and make it known throughout the Europe. Why not in the future? We should have one commissioner coming from Corsica representing France, why not? But it should happen when at EU level, Corsica is known. Your region is quite known to all of us from different parts of Europe. And when it's known, we said, okay, they have a decent representation in Brussels. They are proper people. They are intelligent and decent. Let's elect them at high level. So I think that this is the second way. The first is to have good ambassadors. And the second way, not to wait for you bureaucracy and administration to take the initiative, but we as a civil society to take the initiative and be much more active at Brussels levels and civil society organizations and networks to promote our regions. Thank you. First of all, I think these seats were clearly made for young, fit students, not like old men like me. You know where I come from. We have a message. It's not depressing. It's a very different message. And you may have heard a lot of things that happened in Scotland, but it is a lesson to the rest of Europe. And I'm not just promoting tourism by saying you really have to go there and try and understand. But the real shock that changed our government's attitude was not many of the things that were reported in the press. It was the fact that we got 16-year-olds actively involved in the politics. Now, the interesting thing here is that the politicians suddenly realized that people normally start to vote when they're 18. 16 to 18 is only 2 years. And the fear was that in 2 years' time, they'd be out of a job. For the first time, we actually engaged with 16-year-olds in the schools, in the colleges, in the streets. And what happened was they took an interest. Now, I was told this by a teacher, so I've been giving this message many times since. The question was, why did it happen this time and it's never happened before? This is a lesson to all the younger ones and a lesson to the older people that we're talking about the need to get new people involved. 16-year-olds at school are at the top of their status within the school. So they're opinionated, they're interesting, and when they go to university, they go from the top to the bottom of the heap. So they shut up. They don't say anything, and they don't have any opinions because there are more intelligent people around about them, or so they think. So if you get them when they're 16, they then go to university with very clear opinions. We are seeing a huge fundamental change that is happening in how our politics is being developed in relation to our region called Scotland. And to give it some perspective, the United Kingdom is over 58 million people. The people that voted yes at the referendum were only 2.2 million people. But still, the government took an interest. But it was a different way that we did it. We took time. This was not going to be won easily. We took just about 2 years for that referendum. Probably one of the longest referendums that ever took place. I'll give you a couple of quotes that are quite useful. When asked what we wanted to do to change people's minds, and whether it is Europe, or whether it is local, or whether it's your national government, the questions were simple, not the politics. What sort of country do you want to live in 10 years' time? That was just a simple question. And the answer that came back
from the whole of Scotland was, including those that voted yes and no, the status quo is not acceptable. Now, it didn't answer many of the questions that have been raised this morning, because if you look at this throughout the whole of Europe, it's not just Corsica, it's not just Greece, it's every region that has got a problem with trying to get more money into the area. One of the other quotes was one from our very first MEPs, a lady called Winifred Ewing, and she was speaking to an African senior politician when asked about independence and how to get regionalisation. This was 40 years ago, and he said, "Your problem is you're not oppressed enough. You're not oppressed enough." Now, that's not the way to change politics today. We've got Europe. It's working, it's operational, but we need to take a different long-term view in promoting our regions. And it starts and begins with the 16-year-olds, because that's the biggest threat to the politicians. It means in 2 years' time, they won't be in office. And more important, as the 16-year-olds come through, they engage, they're interested, they understand. At 16, you don't mind making a silly statement, but when you're 25, 26, if you've got to think you've got something you don't understand, you don't say anything. So I've got a good message for you. There is a future. We can develop the regions. It is very clear that the Scots didn't want to become independent, so why did so many people vote yes? They voted yes because the status quo wasn't an option. We want to be part of Europe. We very clearly want to be part of Europe. Our only problem now is that England seems to want to leave. That's a different problem altogether. I'll leave it at that. I could have talked for the next 2 hours, but I won't, I promise. Thanks very much. Pardonnez-moi ce propos peu averti en économie, Pascal Marquetier, Université de Corse. Merci madame pour la conviction blessée mais inflexible de vos interventions, merci messieurs. Donc simplement une petite intervention qui est d'ordre épidermique, naturel, littéraire, ce que vous voulez. Simplement établir des ponts entre les pensées. Marguerite Yourcenar disait que chacun est plusieurs. Je ne vois pas les natives de pratique de Bruxelles, donc avenue Louise, vous pouvez les connaître, 193, c'est parfait. Donc je ne vois pas ce qui est naturel, louable, grandissant pour l'homme, ne le serait pas d'un point de vue des États. Premier point. Le deuxième point, c'est que, un plus un ne font jamais un, ni en littérature, ni en mathématiques, et encore moins en politique. Alors j'en suis un petit peu comme votre évêque. Donc vous avez cité la réflexion, sans doute être est-ce mon profil épiscopal que la couleur flatte aujourd'hui. Je me demande, je m'interroge sur l'Europe et je me dis, voilà, que ma voix, un orchestre c'est bien, ça a une force expressive, une force de conviction, une force émotionnelle, mais que chaque instrument y garde son identité. Hein, le violon reste le violon, le piano reste le piano, le violoncelle reste le violoncelle. Et c'est simplement une question de littéraire qui se frotte sans succès à l'économie. Je me dis que plutôt que... Je voudrais inverser les termes de votre slogan. Je serais plutôt pour pop think local and act global. Oui, c'est peut-être juste. Hein, c'est peut-être juste. Mais alors, moi je pense que si on veut... agir globalement, oui, mais il faut savoir sur quoi. Et penser local, oui, penser très juste. Il faut penser local, c'est-à-dire que, comme dans un orchestre, hein, la construction européenne, c'est un orchestre, et il faut un chef d'orchestre. Actuellement, il n'y a pas de chef d'orchestre. Le chef d'orchestre a été pendant longtemps la Commission européenne, qui était là pour servir l'intérêt général. Maintenant, elle ne sert plus l'intérêt général, elle sert l'intérêt des États ou l'intérêt d'une vision, je dirais, dogmatique. Donc il faut retrouver le sens de l'intérêt général.
Moi, j'ai la faiblesse de penser que notre comité économique et social européen qui est ici présent, et nous, nous sommes l'expression de l'intérêt général. Nous avons présenté à M. Juncker un document, c'est pour son programme de travail 2015, et nous avons eu l'unanimité de tous mes collègues employeurs, donc le patronat, syndicalistes et société civile, sur 10 axes. Alors ça va de repenser le marché unique, renforcer le marché unique, soutenir l'investissement, soutenir la transition énergétique, investir sur l'agenda digital, avoir une politique d'émigration qui soit à la fois responsable et humaine, une politique étrangère forte. Nous avons présenté ce document qui est ici à l'unanimité, et moi je suis très fier de ce travail, pour moi qui l'ai fait, c'est tous mes collègues, je suis très fier. Je pense que nous sommes aujourd'hui plus l'expression de l'intérêt général que la Commission européenne. C'est pour ça que nous devons être davantage entendus. Alors bien sûr, il y a le Parlement européen, notre collègue l'a mentionné, mais le Parlement européen, il est dans le jeu politique. Et dans le jeu politique, c'est très extrêmement difficile de retrouver le sens de l'intérêt général. Moi, je pense qu'il faut retrouver aussi le sens de l'optimisme et agir local. C'est, par exemple, faire ce que fait Pemukui, c'est-à-dire rassembler les énergies, ce que fait la Chambre d'agriculture, rassembler les énergies pour expliquer aux Corses, mais on le faire à Samos, le faire en Bulgarie, le faire en Écosse, et c'est ça le succès de la démarche de l'Écosse, dire aux gens, eh bien, vous avez un grand potentiel, vous devez en terminer avec le pessimisme, de se dire on est là condamné à émigrer ou à revenir ici pour prendre notre retraite. Il y a plein de choses excellentes à faire. Je vois là, il y a le directeur en face de moi de Stellavar qui pourra vous dire comment par l'université on peut bâtir le futur économique d'un territoire comme la Corse. Donc il y a un potentiel énorme partout. C'est vrai qu'il faut agir local, c'est vrai qu'il faut penser global, c'est-à-dire penser les échanges d'expérience, la démocratie, mais il faut retrouver à partir de ça le projet européen. Et cette remarque est très juste. Moi, je pense que je vais maintenant inverser le slogan, on n'est jamais trop vieux pour apprendre et pour reconnaître ses erreurs. Comme en pédagogie, on parle du particulier, en général. Absolument.